rendez-vous au premier virage. Le vrombissement des moteurs résonne dans les montagnes styriennes car c'est jour de Grand Prix ici en Autriche. Le circuit de Spielberg est situé à 700 mètres d'altitude et n'est composé que de 10 virages, ce qui en fait l'une des pistes les plus courtes du calendrier. Le tracé déroule sur 4,2 km et les dépassements sont facilités au virage 1 et au virage 3 qui ont la particularité d'être en montée. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Eh bien, c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons ce soir au sein de la F1 Simulator France. Bienvenue à tous sur ce Grand Prix d'Autriche en compagnie de notre groupe WSF. Et je serai accompagné de mon cher Acide. Comment tu vas ? Yo, salut l'équipe, salut la crème, comment vous allez copains ? Bah écoute, moi ça va très bien, hein. Pour une première, je suis bien content. On est prêt à en découdre, les filles aussi. Ma foi, que du bonheur. Ça a l'air, en tout cas, il y a déjà du monde dans les commentaires qui encourage ces dames, qui d'ailleurs, on peut leur dire d'y aller, si elles veulent aller en piste, c'est parti. Allez-y les filles, merci à tous nos nouveaux follow qui nous rejoignent. Maintenant, on est à plus de 600 followers et un grand merci à vous. En tout cas, ce soir, j'espère qu'elles vont s'amuser, qu'elles vont nous donner le feu qu'on a envie de voir. On a eu déjà l'habitude d'avoir des pilotes féminines chez nous. Elles ont leur championnat dès maintenant. Dès ce soir, ça débute. On va partir sur une série de 5 Grands Prix. Donc, une fois toutes les deux semaines. Donc, tous les deux jeudis. Où elles viendront à discuter. On va aller voir un petit peu au niveau du calendrier comment ça se passe tout à l'heure. Mais ça nous fait plaisir en tout cas, vous êtes nombreux, donc merci beaucoup à tous de nous rejoindre. On va faire un petit topo pour ce soir. Ce qui nous attend, ça va être une qualification de 18 minutes, car on n'a que 15 pilotes qui sont présentes. Il nous manque 2 pilotes titulaires, sinon on serait parti sur des qualifications complètes. Donc là, on va partir sur une qualification de 18 minutes, ensuite une course de 50%, comme nos hommes, nos 3 autres groupes qui roulent le reste de la semaine, et puis on va leur dire un gros merde, j'ai envie de dire. exactement mon cher Rémi, un gros merde pour ces dames, et surtout moi je trouve qu'il faut beaucoup d'encouragement, ça fait super plaisir d'avoir une ligue 100% féminine, et peut-être que les dames rouleront mieux que les hommes, qui sait, pourquoi pas. Allez, on passe tout de suite voir. Elles vont se préparer, elles vont être en piste. Elles sont 15. On va faire un petit point. De monter mon son, mon cher. De monter ton son. Ouais. Allez, je vais augmenter ton son. Alors. Pas de soucis. Le temps. J'espère que ces dames ne se sont pas trompées dans leur numéro, histoire qu'on ait le beau petit... Ouh, il y a du mistutu partout, mais c'est normal, vous inquiétez pas, c'est pour les absents. Donc, ils ont pris le dernier qui est rentré en compte, c'était mistutu. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Ça ne sera plus là. Elle est bien là, mistutu. Et on a une... C'est une Red Bull qui est partie en premier. Coco, qui entame son tour de sortie. Allez, ben on va se mettre avec Coco pour la première, tout de suite. Et on va voir son temps. Est-ce qu'il y en a qui prendraient le pari de faire la... Bah, est-ce qu'il y en a qui feraient des médiums en début de... Non, pas du tout pour l'instant. Oh, ben... qualification de 18 minutes, donc je pense que non, le mieux c'est de partir en soft. Hein. Essayer de gérer un maximum les softs. Ouais. Bienvenue à toi, Max.
SDC Max. Donc la team Max, SDC Max est là pour Coco. Il y a beaucoup de teams. Et hein, salut, salut à nos amis de la SDC, hein, du coup. Bienvenue les copains. On a aussi nos amis de la XRT, hein, présente pour Chachou. Ah, on est un peu toutes les teams. Hein. Oh, 5 places de pénalité sur la grille. Divergence avec Black Phoenix. Malheureusement, les premières pénalités. Bien à tomber. Ça tombe. Ça tombe. Allez, ce n'est rien. Ce n'est rien. Allez, je me mets en tour embarqué avec notre cher Coco. Je t'en prie, on y est aussi. Vitesse de pointe de 317 km. Ça a de la pointe, ça a de la pointe. Remise en piste autorisée ce soir, du coup il y a toutes les aides. Donc on va pas l'interdire bien évidemment. Il y a des débutants comme. Il y a des débutantes comme des expérimentés, bien évidemment. C'est un groupe spécial. Martin de laisser la place. Aïe 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 aïe, ça s'est fait gêner. Ça s'est fait gêner. Petite gêne. Eh oui. Pour Chachou qui a gêné, malheureusement. Ouais, gêné par l'Aston Martin de Chachou, malheureusement. Nous avons. Ouais, ça partait sur un bon tour en plus. Hein, la pilote avait fait vraiment de beaux secteurs là, 1 et 2. Ouais. Je tiens à préciser aussi, tout de même, voilà, je vois qu'il y a Nana qui arrive sur la ligne. On Nana, a des caméras ouais, ce soir, Nana, bien évidemment. Juju, No. On a Nana qui est en caméra. Nous avons Dino Lolo qu'on a vu passer, qui est en caméra également. Comme ça, on peut les voir hein, accrochés à leur volant. 1.4. Nous avons Salomé. Est-ce qu'elle est en piste, Salomé? Je ne la vois pas, Salomé. Ah si, je la vois, elle est là. Salomé. Qui est au volant également. Donc on va pouvoir jeter des petits coups d'œil quand même sur ces dames. Et est-ce que nous l'avons aussi? Oui. Non, elle est rentrée dans la voie des stands. Pimousse, qui est également en caméra. Elle vient de rentrer. Oh, ça a cassé. Oh, ça a cassé pour divergence, ouais. Où est-ce qu'on va pouvoir la voir? On va la voir sur une Mercedes. Mercedes de Pinkelly, de ouais. Pinkelly. D'ailleurs, les deux Mercedes 1 et 2, hein, mon cher. Oui. Mon cher Rémi. Je vois ça. Est-ce qu'il pique? Il met un 5.4 en premier run, hein. C'est quand même. C'est quand même pas trop mal, quoi. Ouais, ça va. Et dommage pour Divergence, elle avait fait un bon temps. Hein. Ouais, 6.4. Elle est quand même dommage, qualifiée 3ème ouais. Pour l'instant, avec 5 places de pénalité, malheureusement. Pimousse et Miss Tutut qui sont pas encore sortis. Donc là, les pilotes entament leur run de. Ah, sauf Nana qui est encore en tour chrono. Ouais, je suis sur Karine qui est en tour. Ouais, on a Karine, ouais. On a moment. On a moment. Allez, moment. Allez moment. Karine. Appuie. Ouais, on a vu Coco, malheureusement, la petite gêne de Chachou. Je pense pas que ça soit volontaire, petite, bien, évidemment. Une petite mention à mon papa qui voulait que je dise « Allez, le mulet !» Voilà. Ah. Le mulet est de sortie. Merci le patriarche. Bienvenue à toi Nina. Allez Karine. Allez, qui sur va la ligne, sur la ligne. En 1.9.9. Pas mal, c'est pas mal. Elle avait plus de RS meilleur. En plus hein, donc Ouais voilà, faut qu'elle rentre tranquillement maintenant, aller changer les pneus. À fond mon petit mulet, voilà, mulet. C'est exactement ça, papa. Voilà, à fond mon petit mulet. Allez, tous les secteurs, appartiennent à Skippy pour l'instant. Le secteur 1, ouais, secteur 2, secteur 3. Elle a quand même elle a mis la baronne. Un gros chrono, ouais.
Avoir encore Miss Tutut et Pimousse, hein, mais on a eu des échos comme quoi que Miss Tutut était quand même assez rapide. Donc, C'est ce qu'on a entendu. c'est ce qu'on a entendu, ouais. C'est ce qu'on a entendu dire. Elle est toujours dans le garage, elle n'est pas sortie. Salut la GT10, salut Cinétique. Allez, Miss Tutut, j'en ai 6 à encourager, hey. T'en as 6 à encourager, ah, la vache, ça va lui. Ça va Oui, le mec. c'est vrai, il n'y a que des Miss Tutut. C'est les absents, hein. Ils donnent vraiment. Voilà, le plus gros chiffre de numéro qu'on a, c'est celui-là. Donc, il met tous les absents au même numéro. Allez, on va se Lolo est mettre en sur Coco tour. une fois de Non. plus. Elle est Non? en tour, Coco? Qui est en tour là? Elle vient de Je lancer, ne sais ouais. pas. Allez, c'est parti alors. Mettons-nous avec Espérons qu'elle ne se refasse Mrs. pas Coco. gêner comme à son premier run. Elle m'avait l'air de lâcher quand même de sacré secteur. Hein. Salut Estève. Je viens voir notre pilote Chachou et bien, bienvenue à toi. On va la Salut à vous, la surveiller, ne t'en fais XRT. pas. Coco qui n'y améliore pas pour l'instant dans le secteur 1. Mais tout à l'heure, elle avait fait un gros secteur 1, Ouais, donc elle avait fait un gros avant d'être secteur, gênée. ouais. Donc là, elle devrait Attention à ne pas largement se faire gêner au améliorer. même endroit, hein, parce que je vois l'AlphaTauri devant, là. Est-ce qu'elle sera en tour, l'AlphaTauri? Elle est en tour. Les deux sont en tour. Allez. Je vais aller sur Mel, du coup. Salut King. Allez, secteur 2 amélioré pour Coco. Mais pas pris en violet. Ou ça a bloqué pour Mel, ça a bloqué. Aïe 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 aïe. Ça fait tout Ça de va même une passer pour Coco. 6.6. Une 6.7 pour Coco, ouais. Beau Bon, temps. c'est Et bon. divergence, Ah, regarde. c'est bon. Elle reste troisième, hein. Pour l'instant, Elle elle n'a reste pas été troisième, hein, malgré. poussée en arrière. Ouais. Ah, ouais. Donc ça la ferait passer huitième avec ses 5 places de pénalité, On malheureusement. a Juju qui va arriver. Enfin, Juju. Dino Lolo. Dino Lolo, voilà. Une 7.5. Ça améliore. Pas mal, c'est pas mal, hein. Eh, ça fait quand même des beaux chronos, hein, côté féminin, là. C'est beau, Bah ouais. Ah bah attends. hein. Et Tu crois quoi, toi? elles ont des choses à prouver là. Là, je te dis, ça va envoyer. Ça y est, ça y est. Elles veulent être meilleures que les hommes, là. Ça y est, ils veulent tout défoncer, là. Ça y Oh, Chachou, Chachou et Mel, Oh, elles il y a s'en sont eu. accrochées. Ouais. Je vais te le remettre en replay si tu veux. Mets-le-moi en replay, vas-y, je veux voir Je ça. te le remets en replay. Alors, est-ce que Oh, ça serait une mince! gêne de la part de l'AlphaTauri, du coup? Bon, il était très mauvais, Ah oui. Ouais, le replay, ouais. mon replay, Tu il peux était pas en aller gros plus plan. loin. Il Ouais. était en gros plan. Ouais. Je vais le diminuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, en tout cas, mais... Ouais, Chachou a, si tu veux, a spin et Mel arrivait à ce moment-là, malheureusement. Ah ouais. Voilà. On n'oublie pas, Chachou n'a aucune aide. Oui, Chachou no Il assist, faut ouais, le souligner, effectivement. ouais. Il faut le souligner quand même. Elle veut pas gêner et C'est à balancer. pas simple hein, de rouler sans les aides, hein, bien entendu. Allez, on a Skippy qui améliore encore une fois son secteur 1 du coup. Est-ce que ça Non, sera elle a la lâché. première arrivée? Non, il y a Miss Tut non. Qui sera la première? Miss Tutut, est-ce qu'elle est sortie? Non, Ah, et c'est une deuxième McLaren, je temps! crois. Ouais, Miss Tutut deuxième temps. C'est une McLaren qui va arriver. C'est Salomé là. C'est Salomé Salomé? qui va arriver sur la ligne, mais je crois que c'est en retard. Ouais, c'est en retard, c'est en retard. Du coup, on a Nana. Elle a la batterie à fond, Ouais, elle peut Salomé. refaire un tour. Nana. Nana, c'est pareil, ça a pas amélioré. Skippy, qu'est-ce que ça donne pour Skippy? Une 5.2, 2 dixièmes d'amélioration Ouf. pour la pilote Mercedes. Ça tape très très fort là quand même. Hein. Il va falloir se calmer, madame. Vous avez des choses à Il y a des choses à prouver prouver à la FRT ou quoi? Il y a des choses à prouver là. C'est quoi ce problème là? Qu'est-ce qui vous arrive là? Snowya qui monte d'une place. Elodie, quatrième en une Elodie 4e, 6451. ouais, une 6.4. C'est beau, c'est beau, c'est bien, c'est bien, c'est Les très bien. Mercedes Ferrari devant.
Allez, Salomé, malheureusement, qui n'améliore pas dans son secteur 2. Ça peut améliorer peut-être le secteur croix. Attention à pas se faire gêner devant. Attention à pas être gêné par la Stade Martin. Ouais, c'est bon. C'est la ça se décale. Ouais, mais il y a eu une gêne hein, quand même. Il y a eu une gêne dans le dernier virage. Gêne visuelle et ouais. Ah, un peu sur la trash quand même. Mais ouais. Bon, elle était en retard de toute façon. Mais bon, même si bien entendu, faut pas le faire, hein, les copains. Hein. Faut pas le faire non plus. Mistutuk qui a amélioré aussi une 5.8. Deux pilotes qui sont passés sous la barre de une 6 à présent. Et puis qui met quand même un gap de 6 dixièmes. Ça lance pour Nana. Pour qui Nana, ouais, Nana. Ouais, ça n'améliore pas dans le secteur 1. Ouais, elle compte faire la course. En fait, elle est en train de faire la course en qualif là. Elle fait la course en qualif. Peut-être rentrer madame, pour changer les pneus, hein. Ça améliorera pas comme ça, hein. Elle a l'air concentrée, je la laisse. Non, elle est trop concentrée, ouais. Elle est concentrée. Hein. En tout cas, ça prend bien l'étrage, hein. C'est compliqué maintenant, mais bientôt elle va mettre la misère. 6 millièmes d'amélioration quand même, hein. Eh, hey, attends. Bien évidemment, Esteb, c'est sûr. C'est sûr, hein, mais il faut le temps de s'adapter au 100Z, hein, bien évidemment. Ah oui, bah oui. Et si on peut l'aider à ça en plus, qu'elle vienne rouler avec nous, ça va être. Elle a amélioré de 47 millions quand même. Allez, faut rentrer dans la voie des stands, mademoiselle Nana, pour mettre des pneus tout neufs. Et, Ah Coco, j'allais mettre sur Coco, tu vois, je pensais pas qu'elle était en tour, mais elle vient de faire le troisième temps en 1.5.887. Ouais. Eh, pratiquement une seconde hein, d'amélioration hein, quand même. Hein. Ouais. Chachou qui est en... pas en tour encore, elle a lâché. Non. Karine qui est en tour, qui a l'air d'être en tour. Ouais, deux dixièmes d'amélioration là. Et qui améliore son secteur. Là, ouais. Pour moment, allez moment, allez moment. Il faut appuyer sur le champignon. Appui. Pauvre moment. Ça va le faire. C'est bien. C'est très bien pris. Attention à pas glisser. Ça glisse un peu à la relance. Ouais, ça glisse un peu, ouais. Mais ça va le faire. Ouais, ça va. Ça va aller. Voilà. Elle prend pas de risque, hein. Tant mieux. C'est ce qu'il faut. Ça améliore pas dans le secteur 2. En tout cas, ça améliore. Une 9. Ouais, elle a ça amélioré. Hein. Ah oui. Hein. Une 9-3. On a qui en tour? Ouh, ça glisse. Snoya qui va être en tour de sortie. On n'a pas vu Snoya et on n'a pas vu Black Phoenix. Black Phoenix non, qui va Black lancer Phoenix son tour. En tour de sortie après. Également. Ouais. Ouais. Attention, est-ce que l'Alpine derrière est en tour? Non. Ouais, Dino Lolo, non. À fond, Karine, enlève les freins, pas besoin. Snoya, ça y est, a lancé son tour. Ouais, Snoya, Dino Lolo. Dino Lolo. Tu m'as dit Dino Lolo. Dino Loco, j'allais l'appeler. Dino Lolo. Loco. Appelle-la Lolo, t'inquiète. Lolo, ouais, on va l'appeler Lolo. On a qui aussi en tour? Le plus proche, c'est Mel hein, qui va arriver. Hein. Mel qui va arriver là, elle a débuté le secteur 3 avec 3 dixièmes d'amélioration. Alors attends, on va se mettre avec Mel et on reviendra sur Snow. Bon, ça peut que améliorer parce que je me rappelle, elle avait bloqué au dernier virage. Ça va aller en 1.5.8. Ouh, l'amélioration! Oh là là, c'est beau ça! L'amélioration monstrueuse de Mel en 1.5.808. Ça, j'ai envie de dire ça, c'est mes girls. Let's go, c'est beau. Allez, on a qui d'autre? Elodie qui lance. Non, qui n'a pas lancé. Snoya qui arrive. Snoya qui va Snoya arriver. Snoya qui Salomé n'améliore aussi. Pas. Qui n'améliore pas, malheureusement. Non, Black on Phoenix. A Salomé qui est... Black Phoenix aussi, ouais. Effectivement. Ouais, ils sont pratiquement au même point, l'une derrière l'autre. Je vais me mettre sur Salomé. Oh, Black Phoenix, il n'y a plus d'aileron.
Ah, attention à ne pas gêner la McLaren derrière. Attention à bien laisser la place. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est tout mort hein, pour Black Phoenix. Il ne pourra pas ressortir du coup. Ça Il améliore reste en plus pour une minute, Salomé. mesdames et messieurs, Il dans cette reste une minute. Ouais. qualification. Oh, le meilleur reste à venir, hein. Oh, moi, je vous le dis, ça va pas rigoler, hein. Allez, Attention à l'arrivée Salomé de sur la Salomé. ligne. En Et une boum, sixième. 6.3. Beau geste, ça. Les deux Mercedes en tour de sortie également. Je sens que Skippy veut aller chercher le 1-4, hein. Ça, Elodie attention, hein. qui Elodie, lance. Elodie. Ouais. Il lance Avec avec la moitié de la batterie, ouais. moitié batterie. Ouais. 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 Snowia qui améliore, mais qui reste à sa position en 1.8207. Ça reste serré, hein, t'as vu, il y a du 1.5, Ouais. il y a du 1.6 et il y a du 1.8. Et après, bon, il y Il a y a le du 1.9 10, et ouais. une 10. Ça reste Ouais, serré quand ouais. même. On a Chachou aussi, attention à pas oublier. Oh, elle a l'air d'être sur un gros tour là, la pilote Aston Martin. Ça prend bien les limites de la piste. J'ai pas vu l'amélioration du secteur par contre. Ah, Mistitude qui passe à deuxième position. Une 5.671, pardon. Et Oh, c'est compliqué. Mel qui n'améliorera pas puisque Ouais, attention à elle est dans Chachou la en mauvaise tente. 1.9.2 du coup qui reste 13e. Ah non, qui est passée, pardon. Elle est passée devant Karine. Ça me fait bizarre d'appeler ma mère par son prénom, bordel. C'est vrai. Ouais, ça fait bizarre, hein. Allez, on a qui va arriver sur la ligne? Et Skippy Skippy qui qui n'améliore pas. n'améliorera pas. Et est-ce que Pink va améliorer? Telle est la question. Attention à bien prendre ce dernier virage. C'est plutôt pas mal pris là. Ouais. Ah, ça reste à cinquième. C'est pas mal. Hein. Les Nana Mercedes qui sont très bien arrive. placées. Hein. C'est fini pour Tutut pour Ouais, non. l'instant. Ouais, c'est terminé, mesdames et messieurs. Voilà. Il y a plus de mesdames que de messieurs, bien entendu, sur cette grille. Exactement. Fin des qualifications, on a vu de très belles choses tout de même, il faut le Ouais, souligner. Skippy, elle a arraché le bitume. Hein. Elle a dit, écoute-moi bien, la route, c'est à moi. Une 5.2, 4 Exactement. dixièmes. Hein. Ça met 4 dixièmes quand même à la deuxième place. Miss Tutut qui a pas voulu changer ses pneus, j'ai l'impression. 4 tours. Ok, pourquoi pas, ouais. Ça économise des gommes. Ça économise des gommes, hein. Ouais, ça économise, hein. Attention, le meilleur reste à venir, les copains. Attendez. Allez, vous le voyez sur H. l'écran, vous avez les dates. Donc on est le 20, donc c'est en Autriche que nous sommes ce soir. Ensuite, le jeudi 4 mai, on se retrouvera à Monza. Le jeudi 25 mai, ça sera Imola. Le jeudi 8 juin, ça sera au Brésil. Et le jeudi 22 juin, nous nous donnons rendez-vous pour la dernière du groupe WSF au Grand Prix de France. Le Paul Ricard, et bien entendu, on parle pas du pastis, hein? Mais Bien évidemment. quoique, bon, c'est pas mal aussi, hein? J'ai envie de dire, hein? Mais ouais, N'oublie pas, 5 courses. divergence, 5 places de Pena. On n'oublie pas, hein, Ah, elle va c'est vrai, descendre à ça, c'est 14e rang. vrai, c'est vrai. Et oui, et oui. Et qui est resté quand même tout de même dans le top 10 avec son premier tour, hein? Eh oui. Franchement, elle Oh, pouvait aller chercher attention. beaucoup mieux, je pense, hein? Ouais, largement. Allez, Allez, le on va leur départ va être laisser lancé. quelques minutes de pause. Et avant de débuter sur la course qui va venir. D'ici quelques instants, nous revenons retrouver les filles pour le lancement de la course. Ne bougez pas, on revient d'ici quelques instants. Bienvenue sur notre live de la F1SF. La F1 Simulator France, c'est un groupe créé en janvier 2021 avec pour objectif de se rapprocher au plus près du monde réel de la F1. Aussi, la simulation reste le maître mot. Pour ce faire, tous nos pilotes ont l'obligation d'être au volant avec un passage des rapports de vitesse manuel uniquement. Cette cinquième saison, quatre groupes sont représentés. Le groupe Simu d'abord, roule le lundi soir à 21h.
Comme son nom l'indique, il est full simulation et les pilotes n'ont aucune aide à la conduite. Le groupe expert roule le mardi soir à 21h. Il s'agit de pilotes expérimentés qui ont uniquement droit à la trajectoire dans les virages. Toutes les autres aides sont désactivées. Le groupe arcade roule le mercredi soir à 21h. Il s'agit de pilotes méritants qui ont droit à l'ABS, à la trajectoire dans les virages ainsi qu'à l'anti-patinage en intermédiaire. Enfin, le groupe WSF roule un jeudi sur deux à 21h. Il est composé à 100% de féminines, prêtes à tout pour en découdre. Vous souhaitez rejoindre l'aventure ? La porte est grande ouverte. Nous recrutons des pilotes de tous niveaux et avons toujours besoin d'en avoir sous le coude pour remplacer nos éventuels absents. Alors pour piloter dans notre championnat, rejoignez notre groupe Facebook en tapant F1 Simulator France dans la barre de recherche. Le nom d'un administrateur vous sera alors communiqué afin que vous puissiez le contacter. Pour finir, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos lives et merci encore. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook et Twitch en tapant dans la barre de recherche F1 Simulator France. Vous recevrez ainsi toutes les notifications de live et ne raterez aucun départ. Vos vues, c'est également ce qui nous permet de nous améliorer dans nos diffusions et de vous apporter du contenu toujours plus sensationnel. Alors merci à tous, pilotes, administration et viewers. Nous vous souhaitons une très bonne course et rendez-vous au premier virage. Bonsoir à tous, c'est Maître Poivron. Ce soir, on se retrouve sur le Red Bull Ring, situé en Autriche, plus précisément dans la région de Styrie. C'est un tracé de 4 318 km, comportant 10 virages, dont le record est détenu par Valtteri Bottas en 1 minute 2 secondes 939 millièmes. Ce soir, je me retrouve au volant de la McLaren MP413 qui a couru lors de la saison 98. Développée par l'ingénieur célébrissime Adrian Newey, cette monoplace a disputé 16 courses, en a gagné 9, fait 12 pôles et 9 meilleurs tours. Le pilote était David Coulthard avec une victoire, 9 podiums, a fini 3ème du championnat. Et Mika Hakkinen, 8 victoires, 10 podiums et a remporté le championnat pilote. La monoplace, quant à elle, a gagné le championnat constructeur. Elle est équipée d'un moteur Mercedes-Benz V10 de 600 chevaux, une boîte de 6 rapports pour un poids de 600 kg. Et merci d'avoir suivi cette archive en ma compagnie. J'espère vous avoir fait un petit peu plaisir et on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao la bise! Et on est reparti. Nous revoilà prêts pour le départ. Elles sont prêtes aussi. Ça va être le tour de formation? Ouais. Et qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, est-ce qu'on a des hard, des médiums? Est-ce qu'on aurait des soft? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là là là. Oh les gouelles. Oh les gouelles. Non mais les gouelles. Non. Et on a du hard, hein, mon chien. Oh la gouelle. On a du hard. Tu l'as dit, il n'y a qu'une hard. C'est Chachou qui l'a. On va retrouver Skippy. En tête, en médium, suivi de Mistitute avec des médiums. Coco, troisième, sera également avec les médiums. Mel, en médium. Avec des médiums. Avec des médiums.
Salomé avec des médiums, Elodie avec des médiums. Bon, en clair, vous l'aurez compris, tout le monde, sauf la 12e place qui est Chachou en hard. Stratégie payante ou pas? Exactement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, donc, mon cher Rémi? Ça peut être payant, mais attention, attention safety car, ouais. Une safety car qui peut mettre cette stratégie. Mauvaise. Là, attention, parce qu'on a Nana, Juju, Snow, Karine, un moment, et Black Phoenix de DSQ quand même. Attention, bon, avec ça va les partir pneus les pneus au froids au départ. Hein. Ouais, ouais, ça, ouais, faut ouais, faire ouais. Très attention aux pneus froids. Hein. Exactement. Allez, on vous libère l'espace. Et on va vous donner le top départ de cette course de la WSF. C'est la première de la saison 5 de la F1 Simulator France. Pour ce groupe féminin, montez le volume. Et rendez-vous au premier carnage. Virage, pardon. Allez, le départ qui va être lancé. Et attention, c'est parti. Skippy qui a pris un bon envol. Attention à Coco qui va prendre l'extérieur sur... Non, c'est bon. Ok, bon départ dans l'ensemble pour l'instant. Ok. Oula. Oula. Ça sort large devant. Ouais. Oh, l'Alpine! C'est qui? L'Alpine. C'est qui? L'Alpine de Lolo, malheureusement, qui a perdu sa monoplace. Est-ce qu'il y a des dégâts, mon cher... Non, ça m'a pas l'air. Pas de dégâts visuels, ah, en attendant. Il y a les dégâts d'activer, mais est-ce qu'elle en a? Je ne sais pas, je ne pense pas. Nous avons une place de gagnée pour Salomé, Elodie. Deux places de perdu pour Pinkelly sur le départ. Pimousse en a gagné une place. Chachou en a gagné deux. Black Phoenix en a gagné trois. Divergence en a gagné une. Et Karine en a perdu une. Et Dino Lolo, malheureusement, est la plus grosse perdante avec six places de perdu. Attention, derrière, ça a l'air de se pousser. Enfin, de... De ce doux, ça glisse pour divergence sur le vibreur. Attention au moment, t'as le RS d'activer, il faut le désactiver. Dans les virages, attention. Attention au moment. Et oui, t'es pas là pour, t'es pas là pour l'aider aussi. Ah, c'est vrai, pardon, mais ça me perturbe qu'elle utilise son ERS dans les virages. C'est perturbant. Ça me fait peur. J'ai peur, Rémi. Allez, attention. Allez, il faut l'encourager. En attendant, il y a une bataille pour la P1 là, entre Miss Tutut et Skippy. Ouais. Ouais. Ça reste collé les trois. Hein, Skippy, Miss Tutut et Coco. Et Coco. Ça reste très serré. Belle qui est pas très très loin derrière. Hein. Exact, ouais. On les voit. Hein. On les voit, les pros de la compète. Hein. Ça prend bien les cordes, ça va bien chercher l'intérieur. On les voit. On les voit, les pilotes féminines qui ont déjà couru. Qui ont de l'expérience, on va dire. Ouais. Exactement, ouais. Mais après, attention, hein, parce que je vois que Miss Tutut à 44%, tandis que Skippy a encore 80%. C'est-à-dire que la moitié de la batterie a été vidée pour la AS. Ce qu'on a oublié de préciser également, dis-moi, on vous l'affiche pendant qu'il n'y a pas trop de combat, toutes nos pilotes vont rapporter des points. Il ne faut pas l'oublier. Eh oui, bien sûr. N'importe quelle position, ça rapporte des points. Le but est de terminer la course, bien évidemment. Et le meilleur temps obtiendra 2 points. Pour l'instant, le meilleur temps, c'est pour Skippy. Hein. Il me semble. Non, Miss Tutut. Ah, Miss Tutut, ouais. Pour 30 millièmes. Oh, ça tire tout droit pour Pinkelly. Oh. Mais non, ça va. Plus et ça permet à Nana de se rapprocher. Ça t'arrange, hein. Non. Attention, divergence et Chachou, c'est très proche derrière. Pour la 10e place. Ouais, bah Chachou qui est pas trop à la rue avec ses hard, hein, a plutôt un bon rythme. Ouais. Après, je vois que... Alors attends, le Delta a beaucoup bougé, hein, parce que j'ai l'impression que...
Oh, ça déboîte. Ah ouais. Voilà. Ouh là là, Lolo, sur Snow. C'est passé, c'est passé. C'est passé. Eh, hey, elle a bien rattrapé, hein. Elle a bien rattrapé le pilote alpine, là. Lolo, qui avait spin en début de course, qui est revenu. Pink Kelly qui est passé sur Elodie également, grâce au DRS. Et maintenant, c'est beau, Nana ça. Qui colle Elodie. Ça range, hein. Entre F1 et SF. On a trois pilotes. PO, c'est Chachou qui a perdu sa monoplace. Ah, c'est dommage. Oh là 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 là. Et oui, hop là. Attention aux pneus chauds. Il faut faire attention aux pneus chauds. Les pneus sont bouillants, ouais. Ouais. Drapeau jaune, du coup, secteur... Divergence qui passe sur Snowia. Secteur 1. Ok, Miss Tutut encore une fois pour le meilleur tour en 1-8-0. Mais qui a cramé toute sa batterie. Hein. Alors attention, parce que le DRS sans batterie, c'est comme si t'en avais pas. On voit que Elodie n'a plus de batterie également. Ouais, peut-être que Nana va passer bientôt, sur Elodie. Ça va bientôt être les guirlandes de Noël. Oh oui, elle est bien placée. En plus, Nana, ouais, Nana qui utilise très bien sa batterie, hein, encore presque bah, 100% pratiquement. 100% de batterie. Ah, faut réappuyer, madame. Elle était à 100% là. Elle vient d'utiliser un petit peu. Il faut appuyer, madame. Bon, en attendant, on a toujours nos deux protagonistes là. Je sais pas comment on peut appeler ça, les énergumènes féminins là. Ça se bat, hein. Ça se bat, attention, hein. Ça veut en découdre, hein. Ça sera celui qui fera la première erreur, finito, hein. Et Miss Tutu, elle lâche pas. Faut pas avoir la pression. Faut pas avoir la pression, en tout cas. Faut la boire, la pression, mon cher. Ouais, faut la boire. Mon cher Rémi. Exactement. Faut la boire. Skippy qui a l'air d'avoir une vitesse de pointe assez monstre. On a devant la 7ème place qui sont en train de se batailler entre la Ferrari et l'Alpine. Ça déboîte pour l'Alpine. Attention, par l'extérieur. Sur Elodie, c'est beau. Elle appuie, elle t'a écouté. T'as vu, elle t'a écouté. Ouais, ça sort large. Ça sort large quand même. Oh, quand on lui fait une faveur, faut qu'elle nous fasse toujours un truc derrière. Allez, on lâche pas, keep pushing. Premier passage au stand pour Divergence. Ah, ça met les hard très très tôt, mais je pense que ça peut aller au bout. Hein. Je pense que ça peut aller au bout. Et en plus, il y a une safety car, par exemple, fin de course, ça peut l'aider. C'est ça, remettre des médiums. Karine qui passe sur Black Pearl. Black Phoenix. Black Pearl. Il a cru que c'était une batterie, le mec, tu sais. Ah, il m'a fumé, Black Phoenix. Je suis désolé, Black Phoenix. Mais le dépassement de Karine. Bravo, maman. Il faut le souligner, quand même. C'est des pilotes très novices. Attends. Hein, dis-moi. Attends, là, il y a Miss Tutut qui est vraiment très proche de Skippy, là. Ouais, c'est 10e, hein, ça fait 3 tours, c'est comme ça. Mais les deux ne lâchent plus de RS là. Hein. Miss Tutut intelligent en train de recharger. Hein. Ça recharge derrière Skippy. Pink Kelly avec Salomé. Oh, oui, oh là là. Oui, attention. Oh là là. Enfin, oh là là. Oh là. C'était très très proche. Hein. Oh. Ouais. Ah, drapeau jaune, attention, c'est une Ferrari. C'est Divergence qui a spin. Et oui. Ah ouais, elles arrivent dedans, pas. Les filles. Ah, attention à pas rester. Elle est sur le côté gauche. Trop longtemps. Ouais. Arrêtez, oui. Attention à pas se faire disqualifier, ouais. C'est bon, c'est reparti. Tout va bien. Ouf. Enfin, c'est vrai que là, on a une belle bataille, mon cher Rémi, hein, pour la première place. C'est... Ouf. Attention, DRS activé pour Miss Tutut. Il y a Black Phoenix qui revient derrière Karine. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu devant. On va aller voir Miss Tutut et Skippy. Miss Tutut.
Ça recharge hein, du côté de la pilote As. Hein. C'est très intelligent de sa part, hein, je trouve. Hein. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. C'est la meilleure des solutions pour pouvoir passer. Parce que du coup, Skippy en a utilisé un peu plus. Vidé à 50% maintenant. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Très intelligent. On voit que c'est des, comme tu dis, hein, on voit que c'est des pilotes féminines qui ont l'habitude hein, de ouais. rouler. Exact. Ouais, c'est beau. Ils ont l'expérience de la piste. Attention, l'Aston Martin qui a spin à la ligne d'arrivée, c'est Chachou. C'est Chachou, malheureusement. Ça laisse passer. C'est très fair play. Ouais. Bien joué, beau geste. On aime ce genre de comportement. Ça tire tout droit derrière, malheureusement. C'est compliqué pour la pilote Aston Martin. Hein. Comme on le redit, on le répète, c'est une... Oh, le dépassement de Pinkelly sur Salomé. Et c'est passé, ouh, c'est passé. Il y a eu presque contact bien évité de la part de Salomé. C'est pas mal. Bien joué les Mercedes en force. Hein. Pour l'instant, 1 et 5. Ça pourrait marquer de gros points, mon cher Rémi, là. Ça reste comme ça. Ouais. C'est vrai. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Chachou en difficulté, mais à préciser que, comme on a dit en début de course, c'est une pilote no assist. Donc, c'est vrai que c'est pas facile à prendre le jeu en main au début. Mmais ça va aller. C'est de l'entraînement. Allez, on a toujours la bataille. Et ça a rechargé hein, du côté de Tutut. Regarde, ils sont au même point de RS maintenant. 50% toutes les deux. La As a l'avantage, mon cher Rémi. Là, elle est proche. Elle est plus proche que tout à l'heure. Ça n'appuie pas du côté de ça n'appuie pas, hein, ça appuie pas. Ah, c'est intelligent, c'est vraiment intelligent. Oh, le freinage tardif de Miss Tutut par rapport à Skippy. Ça parle pas perdu grand chose, hein, toujours 5 dixièmes. Le DRS est ouvert. Elles vont se battre jusqu'à la fin, là. Mais jusqu'à la fin. Là, ça va être. Moi, je sens un beau dépassement là. Ça va être la stratégie qui va payer. Ça va être le passage au stand qui va mettre la pression. Si Miss Tutut passe au stand, ça va mettre la pression à Skippy qui va être bien évidemment obligé de repasser par la voie des stands sur le tour d'après. Bah, de toute façon, là, ça va être au premier qui pique qui ressortira devant, hein, de toute façon. Hein. Ah, ça, c'est forcément. Bienvenue à toi, forme fatale. Bienvenue sur ce live. J'ai cru que c'était femme fatale. Ça aurait pu. En tout cas, mon cher Rémi, 40 spectateurs, c'est beau. Hein. On voit que les gens aiment bien découvrir un peu de féminisme dans ce sport masculin. Exactement. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ouais, c'est vraiment sympa pour eux. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée hein, d'avoir fait une ligue 100% féminine. On voit pour l'instant zéro safety car, hein, mon cher Rémi. C'est pas comme les hommes où on est des Brutus ou trois virages, il y a une safety car. Hein. Ça peut arriver. Là, c'est très, j'allais très en venir. Attends, zéro safety car et zéro pénalité. Zéro pénalité. C'est vrai. Nous sommes en virage sévère. Nous avons les mêmes. Comment dire? Oh, le dépassement de Nana! Sur la retardataire. Elle laisse passer, Chachou. Mais bon, elle a gêné. Nana, malheureusement. Allez, keep pushing, Nana. On lâche rien. Let's go. Elle a perdu du temps, du coup, sur Salomé, c'est ça? Oui, parce que Chachou était devant, ouais. Ouais, merde. Chachou, la retardatrice, malheureusement. Et encore des nouveaux follow, hein, mon cher Rémi. Bah, du coup, forme fatale et XRT. Marthe. Merci Marthe, à toi. Marthe ou Matt? Ouais, Marthe. Ouais, Marthe, il y a un R. Ouais, et là, attention, parce que là, attention, première place, Miss Tutu, t'as bientôt 70% de RS comparé à Skippy, qui en a que 41%. La pression monte du côté de la pilote Mercedes. Est-ce qu'elle va la tenir? Est-ce qu'elle va la boire? Attention, retardatrice devant. Ouais, retardatrice, effectivement. C'est vrai, on n'a pas l'habitude, mais
Et ça laisse passer. Salut Pépé. C'est beau geste. Ah, c'est beau. C'est beau. Allez, et Pépé. Katuki, comment il va, mon qui Pépé? Qui encourage Skippy. Eh oui. Eh oui. Ça s'attaque pas, hein, la batterie. Hein. Les deux pilotes. Non. Skippy en a un peu moins, quand même. Miss Tutu en a 20% de plus. Elle a dû dépenser, hein, pour du coup Miss Tutu qui, elle, a le capital. Enfin, elle a le DRS, donc du coup. Gagne en vitesse de pointe. Pardon, j'ai l'eau, ok. Bois de l'eau. Ouais, j'en ai pas. Tu as le point à côté de moi, j'en ai pas. Elle a souligné aussi qu'ils ont un très gros rythme, hein, les deux pilotes de devant, en 7 secondes hein, quand même. Attention, drapeau jaune secteur 1, c'est une Alfa Romeo, c'est Black Phoenix qui laisse passer. Elle est gentiment passée, ouais. Voilà. Ça, c'est beau. Voilà, c'est beau, geste, c'est beau. Ouais, c'est franchement, comme je dis, hein, c'est. Putain, messieurs, c'est... regardez, elle montre l'exemple. Voilà, prenez-en de la graine, hein, les gars, je vous le dis. Voilà, hein, parce que bientôt, c'est eux qui vont, c'est elles qui vont nous apprendre comment rouler, hein, bientôt. Hein, je vous le dis. Et comment on va jouer, ça, c'est clair et net. Aïe, aïe, aïe. Ah, attention, et là, moi, je sens Miss Tutu qui va dépasser là. Là, je le sens. Hein. Là, c'est. Est-ce que ça va ressortir? Ah, ça ressort pas aussi bien que la Mercedes. Ouais, non, mais là, il faudrait peut-être appuyer ressent, un peu plus là. Du ouais, coup, il faudrait appuyer, appuyer sur la batterie. Ouais, là, faut appuyer là. Ouh, le freinage! Maîtrisé, très bien maîtrisé par Miss Tutu. Ouais, c'était beau, c'était beau. Là, ça aurait été catastrophique pour les deux. Mêle sur Nana, attention! Non, c'est bon, ça se rétracte, enfin, ça a freiné. Mauvaise sortie de virage pour la pilote Alpha Tauri. Ah, c'est. Ah, j'aime bien les bagarres comme ça. Allez, c'est parti là! Allez, on aime ça! Du spectacle. Ah, écoute, nous ça va, mon cher Pépé, hein. On admire le pilotage féminin qui nous éblouit. Hein. Moi, personnellement, ça m'impressionne. Je vais pas vous mentir. Je m'attendais à pire. Hein. J'ai été mauvaise langue. Je m'attendais à pire. Et franchement, c'est très beau. Hein. Allez, Miss Tutu, encore une fois pour le DRS, mais qui n'appuie pas. Elle veut pas appuyer. Elle a pas envie. Faut appuyer. Elle ose pas. Elle ose pas appuyer sur la batterie. Ah, mais le problème, c'est que Skippy a une grosse vitesse de pointe. Donc, si elle appuie pas. Pourra pas la dépasser. Attends, tu sais, on va faire un petit point au niveau de l'usure des pneus. Il y a environ 42% d'usure sur Miss Tutu et plus de 45% voire 48% chez Skippy. Miss Tutu use. Attends, il y a un combat derrière. Miss Tutu mais les nanas. Miss Tutu volant ou manette? Manette, je crois. Ah ouais, Nana Mel, c'est pas fini. Et les nanas qui profitent en plus avec le DRS. Mel qui a dû s'engouffrer entre une retardataire et Nana pour essayer de ne pas perdre le fil. Ah, Nana qui défend très très bien. Hein. Nana qui défend superbement bien. Ça prend. Ça y est, c'est passé. Ah, Skippy qui perd. Ah, c'est. Sa boxe. C'est pas... Ah, elle est la leader. Elle est au stand. C'est la leader qui passe qui par suit, la stand. Et oui, il faut suivre du coup. Il faut suivre. Attention, les. Ah, Pink aussi qui pite. Attention au double pit Mercedes. Mais normalement, ça devrait aller. Salomé qui ouais, c'est bon, pas c'est pit. Bon, c'est bon. Nana non plus. Mel qui faut pit. Hein. Elodie qui pit. Que va faire Miss Tutu? Est-ce qu'elle va passer par la voie d'encens? C'est obligatoire, il faut qu'elle passe. Ah oui, sa caméra a planté, Thomas. Ouais. Ouais, salut, hein. Hey, coucou. Si tu veux relancer ta caméra, n'hésite pas. Ah, elle a bugué. Elle a planté, ouais. Comment je dois faire? Tu fais rafraîchir. Rafraîchir. Ok. Rafraîchis la page. C'est je rafraîchis. Faire. Je rafraîchis. Bouge pas. Ça sort des stands pour Mel. Elodie. Il a fallu qu'il me dise ça le bug pour que ça plante, tu sais. Non mais. Merci Thomas. Ah décidément Thomas, tu m'en veux, hein.
Snoya qui est dans la voie des stands. On a Skippy. Ah, Miss Tutut, ça y est. Qui passe par la voie des stands. Où est-ce qu'elle est? Elle va sortir de la voie des stands. Et où est Skippy? Elle est dans la ligne droite. Ça va se jouer un peu. Mais non, Skippy qui passe devant. Et regarde, elle revient. Oh là là, ça va être monstrueux. Ah, ça va être monstrueux là. Là, je le sens, ça va être... Ah, ça va être incroyable. Là, ça va être incroyable. Ça va être Pink Kelly qui passe sur Salomé, qui est passé par la voie des stands avec Nana. Mel qui passe sur Pimousse, qui est dans la voie des stands. Alors, attends, oh, il y a eu un spin de Karine, malheureusement, à la sortie des stands. Attention. Karine qui ne s'est pas arrêtée, j'ai l'impression. Non, elle ne s'est pas arrêtée, Karine. À moi qui croyais que Acid roulait ce soir. Jamais, jamais il roulera ici. Jamais de la vie. Mais non, il veut pas que je roule. Hein. J'ai voulu, hein, j'ai voulu, mais il a pas voulu. Hein. Ils sont méchants, là, F1 Simulator en France. Eh oui, hein. Ils sont méchants, les copains. Vous avez pas envie. Allez, elle rattrape, hein, Miss Tutut, ça y est. Les pneus commencent à se réchauffer, là, les pneus hard. Ils vont être durs de faire monter en température. Et ça y est, elle raccroche enfin Skippy. Allez, on va faire un petit sondage, tiens. Dis-moi que ça va marcher, s'il te plaît. Miss Tutut. Ah non, je pense que Diablange, il voulait parler de la SDC. Parce que c'est vrai qu'on a un interteam, mais oui. Non, je ne roule pas, mon cher Diablange, ce soir. Je ne roule pas. Nous sommes quel tour? Nous sommes tour 18. Bah, ça roule fort en plus pour Miss Tutut là devant. J'essaie de remettre au plus vite, mon cher Rémi. Ça veut pas... Ouais, pas de soucis, t'inquiète pas. Je prépare juste une prédiction pour nos amis. Vas-y, prépare une prédiction. Elle est simple. Elle est rapide, efficace. Et c'est ça qu'on aime. Allez. On va faire 25 pour 25. Et vous aurez 2 minutes pour répondre à cette prédiction. Qui est toute simple. Elle est en haut des commentaires, si vous la voyez. Miss Tutut passera-t-elle Skippy avant le tour 25? Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. N'hésitez pas à jouer un maximum. La réponse est simple, hein, oui ou non. On les voit, elles sont encore vraiment collées. Mais Skippy a l'air d'avoir un plus gros rythme. Mais... Ouais. Il peut y avoir quelque chose, hein. Il peut se passer des choses, hein. On ne sait jamais. Ouh, le retard de freinage encore là pour Miss Tutut, mais géré. Ça va se batailler du début à la fin, hein. Là ça va jouer vraiment dans les derniers tours, hein, les deux là. Hein. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui veut se venger en commentaire. Notre ami cinétique, c'est quand que Nana et Skippy spin. Parce qu'il s'est un petit peu fait remonter les bretelles mardi par les filles qui sont les commentatrices, Skippy et Nana, du groupe expert, le mardi soir où cinétique est venu être remplaçant. Il s'en est pris un petit peu plein les... Alors attends, je vais reprendre un petit peu. Elles m'en ont mis plein la tronche. Ouais,
Te prends pas la tête, hein. Si ça marche pas, ça marche pas, hein. Ouais, mais je sais pas, ça me met en attente de chargement et elle veut pas charger en fait. N'oublie pas, faut qu'elle, pas qu'elle soit sur ton. Ouais, mais je l'ai, j'ai fermé justement ça. C'est ça le problème, c'est que j'ai fermé justement OBS. Après chier, et puis sinon c'est pas grave. Ouais, bah c'est ce que je fais depuis la merde, j'en ai marre. Il y a toujours un truc qui va pas avec nous. Ouais, le patriarche, on essaie de régler, hein, mais il a du mal. Sida, c'est, je crois que c'est le PC. Il est peut-être bon en piste, mais alors le reste. Ouais, je te permets pas, mais ouais. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, je comprends. Attention, c'est encore très proche. Il reste 15 tours à terminer. C'est là où on va sentir les petites crampes arriver là pour celles qui sont au pilote, au volant, les petites crampes au pouce pour celles qui sont à la manette. Où il peut y arriver quoi que ce soit en piste. C'est là où ça commence à se relâcher un peu. Tour 22 sur 36, parce que là, ça fatigue. À part Skippy et Mistitude qui sont très proches, le reste, y a de l'écart. Ouais, il y a de l'écart, ouais. Ah, première pénalité. Première pénalité pour Lolo. Pour Lolo. Alors, je sais pas si c'est une sortie de piste. On va voir c'est quoi, pénalité. Ouais, je pense qu'il y a eu plusieurs plusieurs avertissements. Ouais. Oh, ah, divergence aussi. Ah, ça y est, ça y est. Et Chachou qui passe au stand pour se débarrasser des hards et passer en médium. Avec 2 secondes 3 d'arrêt, donc un bel arrêt. Allez, nos deux filles devant. Ouh, Skippy qui n'a plus beaucoup de batterie. Elle commence à taper dedans là. Elle voit dans le rétroviseur la as de Miss Tutut qui va bientôt lui faire tutut. Tutut. Eh oui. On a Mel qui se rapproche tout doucement. Ah, c'est très 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 proche. Et Tutut qui recharge encore une fois son ERS hein, sur Skippy. Attention. Chachou la remontada. Oui. Qui est en médium à présent. On a 6 votes. On en a 4 pour la réponse non. Et 2 pour la réponse oui. Il y a quand même 2 personnes qui ont voté que Miss Tutut allait passer Skippy avant la fin du tour 25. Salut, on l'espère. Mephisto, bienvenue à toi. Notre 610e follower, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à toi. 12 followers hein, quand même. Hein. Ouais, depuis le début. Un grand merci à vous tous en tout cas. C'est pour les filles hein, qu'on fait ça, bien évidemment. Ça leur apporte du soutien et ça leur fait plaisir d'être en piste. Donc, et l'heure tardée. Mel qui va se rapprocher gentiment de Nana. Et Nana qui se rapproche gentiment de Salomé. Hop. C'est le combat des blondes à la F1SF. Parce qu'il y a Elodie en plus derrière. Bon, elle est un petit peu loin à 12 secondes malheureusement de Mel. C'est très beau à voir en tout cas. Mais merci en tout cas. Parce qu'elle nous régale. Pas de safety car, pas d'accrochage, on n'a pas eu d'accident. Le premier virage, ça s'est extrêmement bien passé. Enfin, on parle trop vite. Il y a eu un truc là, Miss Tutu qui s'est fait gêner par. Non. Par une Alpine. Si, et si, regarde, 2 secondes d'écart entre les deux. Oh non. Ah oui. Aïe. Ah, c'est dommage. Ah, c'est Pimousse qui a gêné malheureusement. Oui. Allez, c'est pas grave.
ça peut remonter. En tout cas, on est à la fin du tour 25. Malheureusement, je vais devoir répondre à la prédiction que non. Enfin, attends. Ça se trouve, Skippy peut perdre sa voiture son dernier virage. C'est vrai, il est vrai. On ne lui souhaite pas, bien entendu. Bon, elle vient de passer la ligne. Allez, donc il fallait répondre non, bien évidemment, à la prédiction. Donc bravo à vous et merci d'avoir joué. C'est pas fini parce que tout à l'heure, on va faire un petit point sur les places de gagner et vous allez élire votre pilote du jour. Attends, il y a Miss Tutu qui passe au stand. Parce que, ah, j'ai pas vu si c'était une casse. Est-ce que ça a cassé? Tu peux regarder sur directeur de course. Je vais regarder ça. Donc Coco deuxième. Alors, eh oui, accident. Qu'est-ce qu'on a eu? C'était au tour combien? Collision avec Pimousse. Donc à mon avis, il a donc dû elle a avoir cassé contact, son aileron. Hein. Ouais, il a dû avoir contact entre les deux, effectivement. Aïe. Ah, c'est dommage. Ouh. C'est dommage, mais Stutut qui peut quand même grappiller deux points avec des médiums tout neufs. Mais je pense que c'est ce qu'elle va essayer de faire. Hein. Avoir le meilleur tour. Ouais, il y a eu la casse. Il y a eu une aileron cassée, oui. Malheureusement, pour Miss Tutut. Et regarde bien, pour la cinquième place, ça va se battre. Hein. On a trois pilotes. Entre Nana et Salomé, ouais. Et Mel. Mel qui est juste derrière Nana. C'est les trois pilotes en dessous de... Ouais, ils sont tous en dessous de la seconde, là. Les trois ont le DRS. Ah non, Miss Tutut qui repasse par la voie des stands. Pourquoi? Ah, ça recharge l'aileron. Ah, ils ont pas dû changer l'aileron. Ah, elle avait fait une si belle course. Elle a plus enlevé, elle va DNF. Non, faut continuer. Il y a deux points à gagner pour le meilleur tour. Il faut y aller. Allez, NCK, encourage-la, s'il te plaît, à rester en piste. Il y a deux points à aller chercher pour le meilleur tour. Ça peut... Ça y est, mon cher Rémi, c'est fait. Let's go. Me revoilà parmi vous. Ah! En caméra embarquée, ou pas. Allez, hop, je te rajoute de suite. Allez, rajoute-moi, vas-y. Qu'on voit ma tronche pour les 8 derniers tours, quand même. Ouais, pour le podium, bah, bien évidemment. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va les avoir avec nous, quand même, les trois podiums et la pilote du jour que vous allez élire, bien entendu, d'ici quelques instants. Et en attendant, ça nous fait, mon cher Rémi, Mercedes P1, P3. Hein. Ouais. Mercedes P1, P3. Oh, le dépassement de Mel. Ouais, Mel sur Nana. Elle s'est passée, attention. Il n'y a plus de batterie hein, chez Mel. Oh, Nana peut-être avait relâché avec DRS et DRS Nana, hein. Là. Allez, maintenant, Mel, tu vas aller essayer de chercher Salomé. Et qui est pas très très loin. Hein. Pas très très loin. Hein. Attention à Salomé retardataire. Devant. Ouais, la retardatrice. Ah, ça se décale. Oula, ouais, ça se décale, mais oula, attention, faut pas rester sur la trage. Faut pas rester sur la trajectoire, oui. Ouais, ça a fait perdre du temps à... bah, aux deux, hein, de toute façon. Hein. Ça a fait perdre du temps aux deux. Ouais. Ah, voilà le BG acide. Comment il va, mon cher Quartz? Eh ouais, c'est dommage, hein, franchement, Miss Tutut, je suis un peu déçu parce que elle avait fait une si belle course. C'était bah, voilà, meilleur deux tour. Points. Hein. Ça prend le meilleur tour. Normal, il faut aller le chercher. Septième. Exactement. Attends, je vais faire un calcul de points très rapide. 7ème place, il y a 16 points plus les deux, ça lui fait prendre 18 points.
sur elle aurait eu 28. Hein, elle aurait eu 28. Hein. Ouais, donc, ça lui fait 10 points de différence malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Le jeu qui veut pas changer l'aileron, ça c'est un gros problème, hein, malheureusement, quand t'as l'aileron cassé, ouais. Si tu mets pas le 8, le jeu ne peut ne pas te le changer. Hein. C'est ça. Attention, Coco sur Coco qui est divergence qui laisse passer Coco. Ouais, c'est fair play. Attention, okay. Mel sur Salomé, mon cher Rémi, ouais, c'est à 1 dixième les deux. Hein. Oh là là. Ah, Mel, ça va passer. Je pense que ça va passer. Prochaine ligne droite, ça passe. Oula. Ah, ça met de l'URS. Ça met de l'URS pour les deux. Oula, oula. Ça va plonger. Ça met la pression. Ça touche. Oh là 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 là. Les 3 secondes de Mel. Ah ouais, on l'a vu. Hein. On l'a vu, ça a coupé sec. Ah, c'est dommage. Il fallait pas. Fallait pas attaquer tout de suite pour moi. Fallait pas attaquer. Ouais, fallait attendre la grande ligne droite pour attaquer. Merci, merci Duo of Race. Merci beaucoup pour votre aide. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Super set, incroyable. Bienvenue les copains. Incroyable. Bienvenue à vous et vous arrivez en plein combat entre Mel et Salomé. La quatrième place est à jouer. Il reste 6 tours. Ah, Mel peut perdre. Bah, va. Perdre la cinquième place, hein. Nana, ouais. Il y a une seconde exact. Ouais, faut que Nana reste dans les échappements là, pas loin. Ou alors il faut que Mel dépasse Salomé parce que Mel a l'air d'avoir un plus gros rythme que Salomé. Ah, Nana, oh, 3 secondes, les 3 secondes pour Nana. Ça va passer pour Mel. Elle y retourne, mais Salomé qui se laisse dépasser, c'est très intelligent. Ah, allez, DRS qui s'inverse. Mal ressorti pour la pilote McLaren. Ça freinait tard pour Salomé. Ouais. Pour Salomé, pardon. Nana qui va peut-être profiter de cette erreur. On a Miss Tutut derrière qui est en train d'écraser et qui rattrape le peloton. Et elle voit les 3 secondes hein, qui sont devant. Et elle peut gagner petites places si elle se comporte bien. Elle peut avoir la 4ème place de Mel. Hein. Exactement. C'est vrai que je suis en train de regarder ses trajectoires. C'est très propre hein, de la part de Miss Tutut. Ça roule très vite. Hein. Ça roule vraiment, vraiment vite. Hein. Oh là là. Vite et propre, quoi. Ah ouais, et ça va peut-être même l'Alpine. Oh là là. Ça va dépasser l'Alpine. Attention le dépassement. Oh là là. Eh oui, oui, ça a oui. Pour Nana. Et attention maintenant, qui elle va s'attaquer à la McLaren. Miss Tutut qui voulait abandonner et au final elle s'est métamorphosée. Et là. Oh là là, avec Salomé. Le dépassement. Et attention Nana. Nana à côté, attention. Eh non, c'est bon, non, c'est resté c'est derrière. Un... Miss Tutut, incroyable, hein. Incroyable, hein, Miss Tutut, hein. Et ça va aller chercher la quatrième place, mon cher mais Rémi. What? Oh, je suis. Non, mon dieu. Ah, oh, c'était. Mais quelle. Oh, mais elle quelle a mangé course trois voitures de Miss en un tour. Hein. Elle a mangé trois voitures en un tour. Je vais la mettre en. Je vais mettre 4 pilotes pour pilote du jour. J'espère que elle va finir dedans parce qu'elle nous fait une course. Incroyable. Attention oh là là les retardataires qui ne gênent pas. Elle a dû choper un avertissement. Regarde. Parce qu'elle a dû se décaler. Ah, il faut être intelligent. Ça va passer, ça va passer sur Mel. Oh oui, oui. Oh, c'est sûr, ça passe là. Allez, attention. Et même sans ERS, ça a de la vitesse de pointe hein, du côté de. Ah, il n'y a plus de ERS en plus, ça. Attention, le freinage. Et oui. Mais quelle incroyable course de Miss Tutut. Ah là là là, elle est magnifique. Mais elle, malheureusement, qui ne peut pas décroiser avec ses 17 tours sur les hards. Alors, attends, on va faire un petit point au niveau des pneus. Elle a de quoi finir. Elle a de quoi finir tranquille la course. Faut qu'elle recharge un petit peu la batterie quand même. Mais là, je dois finir avec 30% de l'usure.
Ça passera d'ici le secteur 3, elle aura facilement une seconde 3 d'avance. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable course de Miss Stupid. Salut, salut, Erdek Fly, bienvenue à toi. Comment tu vas? Tu arrives sur la fin assez. Enfin, je t'avais dit, hein, une seconde 3, voilà. Une seconde 3. Assez. C'est très très propre. Hein. Allez, la part on va des préparer pilotes, là. La pilote du jour. On va voir les gains de place et perdu. Ouais, au niveau des places, il reste 3 tours. Changement de position. Tu veux que je les dise, les changements de position, mon cher Rémi? Vas-y, vas-y, je les ai affichés. Alors, aussi, on a bah, Skippy hein, qui est à 0. Elle est toujours première, donc 0 place de gagné. Coco, 1 place. Pinkelly 2 places, malheureusement Miss Tutut avec l'accrochage qu'il y a eu, 2 places de perdu, Mel qui a perdu une place, Salomé qui est restée à sa place, Nana qui a gagné une place, Elodie qui en a perdu une, Lolo, Pimou, Snow et Chachou qui sont restés à leur place initiale, Divergence 1 place, Black Phoenix 1 place et Karine 2 places de perdu. Mais... Allez, vous avez 1 minute pour répondre à ce sondage de qui vous voyez comme pilote du jour. Et c'est vrai ça, regarde-moi ça, l'institut qui revient sur la 3ème place, là, 2 secondes 9, mais ça va être très très dur, hein. Ça va être très très dur d'aller chercher la 3ème place. 2 secondes 9, 2 secondes 6, 2 secondes... Ça va être dur, hein. Il n'y a plus de batterie en plus, hein. Elle a tout, elle a vraiment tout lâché. Dur. Bah, Pink aussi en soi, on a Salomé. Salomé peut jouer la 5ème place. Oui. Il faut vraiment qu'elle revienne 4, à coller. 2 secondes 4 pour l'instant, elle est là. Vous avez le sondage hein, qui est en haut des commentaires, vous le voyez, vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui vous fera amener au choix des 5 pilotes qui est inscrit. Ouh, attention, Pinkelly qui a glissé. Oh, ça revient à 2 secondes. Oh, ça va être un dernier tour d'anthologie, là. Oh, ça va être un dernier tour. Je pense que... Attention voilà, à la Red Bull de pas gêner. Ah ouais, la Red Bull qui gêne pas, ça, c'est bien. Et un peu en plus, ça a le DRS, hein, du côté de Miss... Oh, ça va... oh, attention, ça peut aller chercher la 3ème place, là. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. C'est incroyable. Dernier tour. Dernier tour en course pour ces pilotes. Et vous avez élu Miss Tutut comme pilote du jour, à plus de 10 votes. Elle a 100% des voix. Donc on l'aura à la fin avec nous en tout cas. J'espère qu'elle nous rejoindra en cabine, qu'on ait son avis. Bien sûr. En plus avec 3, le meilleur temps autour. Ça a mal pris. La victoire de Skippy. Pour Skippy. Oui. Coco. Pour la deuxième, qui arrive en seconde d'avance hein, quand même, hein, Skippy survolé, hein, ça a survolé le GP hein, là hein, du côté de notre cher Skippy. Et Coco, Coco deuxième place, fière. bravo. Pinkelly, Pinkelly. Oh là là, regarde Miss Tutut, ça se joue à rien. Incroyable, incroyable course. Un tour de plus. Mademoiselle Mel qui passe. Et Salomé ne lui prendra pas la place. Elle était à plus de 3 secondes, malheureusement. En Nana, ah, qui dommage. Termine à la 7ème place. 8ème, on va retrouver Elodie avec sa Ferrari. 9ème place. C'était incroyable. Ça sera pour Lolo. Pimous terminera la 10ème. Les deux Aston Martin, Snoya, Chachou, 11ème et 12ème. Divergence, 13ème. Black Phoenix, 14. Et Karine, 15ème. Incroyable. Ah c'est fou. Ah c'était pas mal. Incroyable. Hein. C'était vraiment course. Vraiment pas mal. Hein. Et du coup le meilleur tour pour Miss Tutut hein. Et qui est 4ème. Ça rapporte des gros points. T'avais dit combien déjà pour la 7ème place? 18. Ça fait combien 4ème? Ouais. Là ouais ça. Regarde sur c'est notre truc, bah, je l'ai plus, mais. Je vais regarder sur le barème, ouais.
Je vais préparer notre podium et j'espère qu'elle va nous rejoindre, Miss Tutute, qui est élue par nos spectateurs, pilote du jour. Eh bien, on n'a plus qu'à ajouter... Oui, si tu veux bien les inviter. Si ça ne te dérange pas. Oui, hein, c'est... oui, je les invite avec, avec joie, en cabine avec mon nous. Cher... Ah oui, hein. Alors on a... Skippy. On a Skippy qui finit première avec 28 secondes d'avance sur Coco qui terminera deuxième. Ouais, Pink Kelly sera troisième. Hein. Les deux Mercedes, hein, le doublé Mercedes hein, sur le podium. Ah, ouais, Miss Tutu terminera en première course. Quatrième avec le meilleur temps, le meilleur tour. Mademoiselle Mess, cinquième. Sixième, on retrouvera Salomé. Nana, septième. Elodie, huitième. Neuvième, on retrouvera Dino Lolo. Dixième, ça sera Plymouth. Snowya à la onzième place. Douzième, il y aura Chachou. Treizième place, on retrouvera Divergence. Quatorzième, Black Phoenix. Et Karine terminera à la quinzième place. Et bravo Karine, tout de même. Bah, je ne l'ai pas vu spinner pas une mal. Fois. Et ça, ça fait très plaisir. Car au final, le travail paye. Allez. Ah, il m'a fumé le mec. Ah, il m'a fumé le mec. Rendons-nous donc au podium pour aller voir ces filles qui nous attend. Est-ce que notre pilote du jour nous a rejoint? Miss Tutute, es-tu là? Ah non, attends, autant pour moi, je l'ai pas invité. Attends. Ok, ah ben, hey, mon acolyte, il fait un boulot monstre. Hein. Il fait. Je pensais que c'était les trois premiers, moi, c'est pour ça. Ah, Karine a spiné quand même. Non, mais c'est pas grave, c'était un petit spin. C'était rien. Mais. C'est GT10, tiré du bas, Miss. Tutute, oui. Tutute. Elle ne viendra ICK pas. À 10 ans, ouais. Ouais, ok. C'est bon. Bon, c'est pas grave. Merci quand même pas, NCK, bah, tu lui diras toutes nos félicitations tout de même si elle nous entend. C'était à souligner une très belle course de sa part et une belle remontée suite à malheureusement l'accrochage avec la Red Bull. C'était vraiment exceptionnel, j'ai envie de dire, la remontée monstrueuse. Est-ce que Pink Kelly est là? Of course, of course. Comment tu vas? CRM. Ça va et toi? Ça va très bien, écoute, nous on s'est régalé en tout cas en cabine, c'était exceptionnel de vous voir rouler. Bravo à toi. Ah bah moi, je me suis régalé, mais j'ai aussi beaucoup tremblé. Hein. C'est ce qu'on voulait. Allez, explique-nous, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en piste et comment tu t'es senti et on te laisse cet honneur. Bah déjà très contente de la qualif, je pensais pas être aussi haute, je crois que j'étais 5e je crois en qualif. Mmh. Et ouais, du coup je pensais pas être aussi haute quand même. Et puis au début de course voilà, j'avais un peu peur du premier virage, donc je me suis laissé un peu passer, je crois deux pilotes qui étaient passés devant. Après voilà, j'ai essayé de les remonter comme j'ai pu en essayant d'être aussi propre que possible quand je les ai doublés. Et puis voilà, après j'ai vu que j'avais Coco devant qui était parti, donc je me suis dit bon, je veux pas trop chercher les limites de piste pour pas me prendre de pénal non plus. Et puis, voilà, j'avais un peu de temps aussi avec la pilote de derrière, donc j'y suis allé tranquillou. Et ça paye. Et ça paye. En attendant, tranquillou, troisième place hein, du coup. Hein. Bon, ouais, mais oui, mais après, Mistutu t'appuie deux fois. Ouais, il y a eu un problème, je pense qu'il y a eu un problème de changement d'aileron, le jeu ne lui a pas changé. Ah, bah du coup, ça m'a. Il y a eu contact avec un retardataire. Ça m'a valu du coup le podium parce que là, encore un tour et elle me repassait devant. Ouais, je pense, ouais, elle avait le couteau entre les dents et elle avait soif de revanche, je pense. Mais, ouais. Mais bravo à toi, très belle course avec ta coéquipière, puisque là, les Mercedes marquent de gros points ce soir. Ouais. Merci Pink Kelly. You're welcome. Of course. Allez, on va passer à la seconde, qui n'est autre que SDC Coco. Il y avait du monde, hein. Il y avait du monde, hein, dans Bonsoir. Le live. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais. Bah ça va et vous? Ouais, nickel. Ça va mieux, là, ça y est, j'ai lâché la manette, là, ça y est, ça va mieux. Pas trop de pression.
Si, au début la qualif, j'étais pas trop contente au début parce que j'arrivais pas à sortir les temps que je fais d'habitude. Et quand il restait 2 minutes, je crois, 2 minutes 30, j'ai dit vas-y, là faut. Non, c'est pas les chronos que je fais d'habitude, là faut que j'arrive à sortir quelque chose de bien. De concret, quoi. Ouais, j'arrive à trouver la P3 et c'était mon objectif parce que de toute manière, je savais que Skippy elle était bien, bien au-dessus. Quand j'ai vu le 1-5-4, j'ai dit c'est mort, j'arriverai pas à faire ça en qualif. Et Miss Tutude, bah, je savais pas trop comment elle roulait, mais j'en ai entendu parler et je me doutais que voilà, ce P3 déjà, ça aurait été bien. Donc bon, voilà, ça m'allait bien. Et puis après, début de course, je tremblais de partout. J'essayais de suivre Skippy et Miss Tutude et. Bah, ça a pas raté, hein. Dès que j'étais dans la zone dans les 3 premiers tours, là, avec le DRS, j'essayais de les suivre et du coup je commence à faire une petite erreur et là j'ai dit bon allez vas-y, laisse-les partir devant, elles vont aller se batailler, moi je reste comme ça et puis et ça m'ira très bien. Et après quand j'ai vu que Miss Tutut elle avait pite, en vocal on m'a dit qu'elle avait cassé un aileron, et là quand je vois qu'elle était à 9 secondes de moi, je me suis dit ah, ça se trouve elle va en med, elle va vite revenir. Et après quand j'ai vu qu'elle avait repite, je me suis dit qu'il y avait un souci avec son aileron. Ouais, Donc là, c'est du ça. coup, j'ai commencé à rouler un peu plus tranquille parce qu'en plus, j'étais limite en essence. Donc voilà, j'ai fait ma petite fin de course tranquille. J'ai eu un petit accrochage avec une retardataire à 3 tours de la fin. J'ai dit, bon, allez, j'ai un peu d'avance, je rentre pas, j'essaye. Et puis ça a marché. Ça Donc a je suis marché. très contente d'être là. Je suis très contente. Eh bien, tu peux l'être, parce que Bien joué encore à de toi, en gros tout points. cas. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, Bien pour une joué à première, toi. ouais. Merci. Et C'était pas mal, bravo en à tout cas. Skippy et à toutes les filles, hein. C'était propre et tout. Donc je m'attendais à une safety car pour être honnête, donc c'est pour ça que j'avais mis un peu moins d'essence. Je Et me doute bien. quand j'ai vu qu'il n'y en avait pas, je me disais oh là 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 là, je vais jamais réussir à finir, j'aurais pas assez d'essence. Et donc franchement, bravo à toutes les filles parce que ça a été plutôt propre, quoi. Exactement, ouais. Ah oui, dans Merci Coco. l'ensemble c'était vraiment propre, hein. Franchement, Et mieux puis que les merci à vous mecs, pour le cast. Je vous ai pas quoi. écouté parce que je voulais pas que ça me perturbe, mais Non, vaut je mieux pas nous regarderai. écouter. Ouais, Vaut mieux c'est ce que j'ai pas. dit direct. J'ai dit direct, T'as je bien vais pas mettre le live, je vais pas mettre le son, sinon je sens qu'ils vont dire des conneries, ça va me perturber. Donc je vous regarderai demain, je vais voir les conneries que vous avez Ouais, pas de sorties. soucis. Avec plaisir même. Merci Coco, félicitations. Merci à vous. Je vois Merci à pas du tout de quoi vous voulez parler, moi, vous. personnellement. Je vois pas. Allez, on va la laisser cette fin de. On va dire au revoir de suite. Allez, c'est bon. Ouais, C'est quand même ça, pas vraiment très sinon. cool, mais bon, on va dire au revoir. Hein. Salut les mecs! Pas vraiment besoin, quoi. Salut, c'est Bonjour, bon. Skippy! Comment Eh tu ben, vas? bonsoir! Eh ben, écoute, ça va très bien. Comme dit Coco, j'ai lâché la manette, ça va mieux. C'est pareil. J'ai lâché la manette, ça va mieux. Allez, belle course, hein. C'était Ah inarrêtable. bah, bah si, j'aurais pu être arrêtable parce que j'ai une petite pensée pour même pour Miss Tutut. Je voulais dire félicitations tout de même à elle parce que très forte. Je savais, j'ai regardé ses cours, je sais comment qu'elle pilote. Je sais qu'elle est très forte. Et donc du coup, je voulais juste lui dire félicitations et ce n'est que partie remise parce que je sais très bien que c'est une pilote aguerrie et ça va faire des belles batailles, même si je sais qu'elle est un peu plus rapide que moi. Et en tout cas, félicitations tout de même à elle. Et je voulais dire aussi félicitations à Coco, hein, qui a rien lâché également. Et puis bah, ma coéquipière, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est merveilleux, bien évidemment. Et puis non, puis je voulais vraiment dire à toutes les filles, elles ont rien lâché. Ma maman n'a rien lâché également. Je suis très fière. Black Phoenix également. Enfin, je suis très fière de tout le monde, de Snow, de toutes les filles qui étaient sur piste, parce que comme Elo, elle l'a stipulé dans le chat. Les retardataires, à part peut-être qu'il y a eu peut-être un ou deux trucs, mais je veux dire, elles ont été très très propres et félicitations à tout le monde en tout cas. Exactement, merci Skippy. Je t'en prie. Elle a tout dit, je pense que voilà, hein, malheureusement, les problèmes avec les retardataires qu'on a pu voir, ça va être souvent, comme les trois nous ont dit, hein, ça tremble de tous les côtés, donc ça va trop vite ce qui se passe en piste pour certaines, donc c'est dur de. Ouais, voilà, il faut pas Voilà. oublier que Après, c'est c'est des nouveau, pilotes ouais, novices. c'est Ouais. ça, c'est nou nouveau pour elles, ça, donc c'est rien, exactement. c'est juste des habitudes à prendre. Et puis après, à nous, pilotes plus aguerris, de faire attention à ça en fait. Exactement, ouais. C'est exactement ça, mais bon, voilà, je pense que c'était vraiment pas voulu pour Non, 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 celle-ci, il n'y a et puis aucune volonté, ça se voit dans les manœuvres, il n'y a aucune volonté, mais c'est vrai que quand on casse à quelques tours de la fin, on se dit non, pas maintenant. Ouais, Ouais, bah, c'est clair, c'est clair.
Mais moi aussi, je pensais qu'il allait y avoir des safety cars quand même. C'est vrai que mauvaise langue qu'on ait, on aurait pensé des safety cars. Mais non, bravo à toutes. Allez. Et j'ai hâte de vous entendre, messieurs. Mais écoute, tu verras, hein. Ça se trouve, ça peut ne pas te plaire, hein, ce que tu verras, mais on a été gentils. J'entendais au loin quand même, ça rigolait pas mal, hein. Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas moqueurs, nous. Oh, jamais. Allez. On va mettre fin à cette course. Enfin, moi, j'ai envie de passer un petit message général là, pour ce groupe de WSF qui a été juste monstrueux. Beaucoup peuvent prendre un peu exemple ce qui s'est passé ce soir. Hein. En tout cas, le premier virage, rien à dire. Il y a eu zéro safety car. Enfin, voilà. On y est, quoi. Sachant qu'elles ont les mêmes restrictions que les hommes en piste. Hein, et les dégâts étaient bien activés, je vous rassure. Donc... franchement, tout le mérite est pour elle. Félicitations à vous toutes qui ont été en piste. Vraiment, je suis ravi d'avoir pu assister à ça ce soir. Donc, il me tarde déjà la prochaine qui sera sur le Grand Prix de Monza dans 2 semaines. Donc, pas jeudi prochain, mais l'autre. Merci à Cid d'avoir été avec moi. Eh bien, écoute, ma foi, pas de problème, mon cher Rémi. Hein, hâte de la prochaine course. Hein. Exact. Ça va être. On va se régaler. Voilà, ça va être encore incroyable. En plus, je suis comme un con, j'ai désactivé ma caméra, mais bon, bref. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai fermé le truc. Je me suis dit, tout le monde a quitté, j'ai quitté. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Ah, bref. En tout cas, c'était un immense plaisir. C'était vraiment incroyable. Merci à tous. Merci Rémi. Merci la F1SF et merci les filles pour cette course. Voilà. Exactement. Et puis. À jeudi prochain. Ouais. Merci à vous tous, vous avez été extrêmement nombreux à réagir à cette course, à encourager ces filles, ça nous a fait extrêmement plaisir. Passez tous une très bonne soirée, on se donne rendez-vous d'ici 2 semaines, sinon à lundi pour nos messieurs qui vont reprendre la piste, bien évidemment. Gros bisous, bonne soirée à tous. Ciao les copains, ciao.